En sus inicios el turismo fue una actividad fundamentalmente contemplativa. C'est aussi une pratique sociale. Ça signifie aussi l'accès au temps libre finalement. Se ha ido pasando de la contemplación a una actividad de consumo. Plutôt que d'étudier le tourisme en soi, c'est aussi intéressant d'étudier la société à travers la question du tourisme. México está en los primeros sitios del ranking mundial de visitas internacionales. Cette décision a été prise de placer vraiment le tourisme au centre des stratégies de développement. Por lo menos desde mediados del siglo pasado, estamos hablando de 70 años, en que se ha organizado una actividad turística que busca diversificar el mercado. Et si on prend le cas du Mexique, eh bien on peut étudier toute l'évolution, l'histoire économique, l'histoire sociale du Mexique à travers cet objet-là. El eje de la acumulación de capital en la península, que había sido el Henequén, estaba en franca crisis. El turismo ha sustituido al Henequén, que se ha pasado de un monocultivo a otro monocultivo, y no hay nada más que viajar a Yucatán para ver cómo el turismo está en todas partes. Esta región es hoy la región turística más importante no solo de México, sino de América Latina. Por el número de turistas que recibe. En 2019, c'est plus de 25 millions de personnes qui sont arrivées à l'aéroport de Cancún, c'est-à-dire avant la crise du Covid. C'est aussi trois ports qui reçoivent des croisiéristes. Cet attrait s'explique par la mise en valeur d'une grande diversité bioculturelle. En effet, 80% de la région est couverte de végétation. Et ce sont majoritairement des Mayas qui peuplent les espaces ruraux depuis plus d'un millénaire, comme en attestent les 45 sites archéologiques de la péninsule. La péninsule de Yucatán, la podemos considerar un verdadero laboratorio para el estudio del turismo, por su magnitud, porque aquí se presentan casi todas las modalidades del turismo, pero sobre todo también porque podemos apreciar la interacción que hay entre estas distintas modalidades. Le Yucatán c'est un petit peu le cas d'école, un peu d'une région qui a été très rapidement et très profondément transformée par le tourisme. Se da un rapidísimo proceso de conurbación y de metropolización. Ça a transformé aussi donc l'arrière-pays, les espaces ruraux, la culture, en termes de population, de migration, etc. Pour comprendre comment le tourisme urbanise la société mexicaine, il faut prendre en compte une spécificité juridique nationale, les rideaux. Il s'agit d'une forme de propriété collective ou sociale qui diffère des propriétés publiques et privées. Bueno, la propiedad social es muy importante en México porque la mitad del territorio nacional es propiedad social. En Yucatán y Campeche es sobre el 60% del territorio. Y en el caso de Quintana Roo, este destaca, 80% del territorio es propiedad social. Es un tipo de propiedad que no existe en casi ningún otro país y tiene sus características muy particulares que derivan de un proceso de reparto agrario que se hizo a partir de la Revolución Mexicana y durante 70 años. L'article 27 de la Constitution mexicaine, qui entérinait la réforme agraire et conférait un droit inaliénable aux terres communes, a été modifié par le gouvernement mexicain en 1992. Dès lors, il devenait possible de morceler et privatiser les terres collectives. Combiné au développement de l'activité touristique, ceci ouvrait la voie à une intensification de l'urbanisation et à une transformation profonde de la société yucatèque. L'État mexicain a décidé de créer une station balnéaire, la station touristique donc de Cancún. Donc c'est un projet entièrement planifié, créé à partir de rien. Era la necesidad del Estado, del capital, de incorporar al desarrollo, a la modernización, a un espacio visto, definido por ellos como un espacio vacío. Lo que teníamos
era a una población, los mayas Khrushchev, viviendo en un aislamiento defensivo después de 100 años de la guerra de castas, ¿no?, que mantenían este espacio muy al margen y que había que incorporar. Le Quintana Roo, c'est l'État le plus jeune du Mexique. Il a été créé en 1974, l'année de la création de Cancun. Parce qu'il fallait un cadre légal, un cadre juridique, un cadre institutionnel qui permettait d'accompagner le développement du tourisme. Il y a eu la création d'infrastructures de transport, un aéroport international, des infrastructures routières, etc. Tout ça financé par la Banque mondiale. On est dans des projets de très très grande ampleur. Le premier hôtel s'est inauguré en 1974. Destinado a un turismo, en ese momento denominado de lujo, llevar a un lugar aislado al turista a ver arena y sol, nada más. Au milieu des années 80, ce modèle de tourisme de luxe entre en crise et va rapidement être remplacé par un tourisme de spring breaker. Des jeunes nord-américains qui viennent faire la fête pendant leurs vacances de printemps. C'est ainsi que s'amorce la massification touristique et la construction de 1975 à 1990, de la majorité des hôtels de Cancun entre la lagune et la mer, tandis que la ville croît avec l'arrivée de travailleurs. El cierre de la playa está predicado sobre el cierre y la creación de la zona hotelera y está fomentado a través de un plan arquitectónico y un plan de diseño y de planeación urbana que dividió una zona para los turistas, una zona hotelera, y dejó al margen la zona de servicios y la zona de trabajadores. Son dos ciudades en una. La ciudad para los turistas y la ciudad para los residentes, la ciudad de la vida cotidiana. Les llaman polígonos en general en Cancún, que van surgiendo cada vez y se van alargando a lo largo de la carretera hacia Mérida. La parte planificada de Cancún va creciendo lentamente mientras que hay una verdadera explosión de la ciudad irregular. Una ciudad de invasión, de reparto por el estado de tierras no urbanizadas y sin servicios. Está la mesa, así una mesa en medio de la selva y de los charcos, firmando y todo dándoles elote, la gente talando y abriendo. Y el que llegó la semana anterior vendiendo láminas de cartón y tuberías para el siguiente. Y esas casas al año ya son un edificio, ya le agregaron otro pedazo. Y se venden y se van a otro lado. O sea, unos procesos urbanos de veras inconcebibles, ¿no? El fenómeno que define a esta ciudad y a las subsecuentes, que es la segregación social, pero en este caso la segregación funcional. À un moment donné, l'investissement dans des projets d'infrastructures touristiques, donc qui vont être des zones hôtelières, mais qui vont être aussi la construction de l'aéroport de Cancun, la construction de nouvelles autoroutes qui permettent l'arrivée ou les flux touristiques. En fait, c'est vraiment ces investissements-là qui vont, dans un deuxième temps, développer tout ce qui va être l'expansion urbaine. Et c'est vraiment tous ces projets immobiliers de soutien ou secondaires à l'industrie touristique qui vont complètement envahir toutes les terres collectives des ejidos de la zone de Cancún. La expansión urbana que se está dando en los últimos 20 años se está haciendo sobre las tierras de ejidos que ya no están siendo expropiadas, sino que están entrando a este mercado bajo mecanismos ilegales o irregulares. En observant les terres des ejidos qui ont récemment été privatisées, on constate que les réserves foncières des promoteurs immobiliers sont vastes. En effet, ils ont anticipé la construction de logements pour travailleurs en prévision de l'extension de la zone hôtelière sur la côte au nord de Cancún. C'est une région qui s'est beaucoup urbanisée, beaucoup transformée, avec des villes qui n'existaient pas. La ville de Cancún, qui est une ville de plus de 800 000 habitants aujourd'hui, et petit à petit, ça va s'étendre le long du littoral, le long de la côte, pour donner naissance à cette région qui est la Riviera Maya, qui est une sorte de couloir touristique qui fait à peu près 150 km de long, avec l'émergence de nouvelles stations balnéaires. On peut penser notamment à la ville de Playa del Carmen. Au dernier recensement, on était à peu près 300 000 habitants. Chaque station balnéaire se positionne sur un créneau, un peu sur un segment de marché un petit peu différent. On va avoir du tourisme de masse, ce qu'on appelle le all-inclusive plutôt à Cancún, qu'on va retrouver à Playa del Carmen, mais avec des clientèles un peu différentes. Et puis ça continue de se diffuser jusqu'à Tulum. Au départ, c'est un peu la station balnéaire, un peu hippie, plutôt hippie chic. Cabane, les pieds dans l'eau, sur le bord de mer.
peut avoir l'impression que c'est un lieu très écologique, très alternatif à première vue, sauf qu'en fait, il s'y passe exactement les mêmes choses qu'ailleurs. Donc c'est devenu à la mode dans les années 2000, et puis ça a connu, là encore, un développement immobilier, économique très intensif par la suite. On est dans une zone, une région qui n'intéressait personne il y a 40 ans ou 50 ans et qui est devenue aujourd'hui au cœur de luttes acharnées entre de nombreux acteurs. Playa del Carmen, c'est aussi un exemple intéressant parce que c'est très différent de Cancun dans le sens où ce n'est pas un projet planifié. Et donc il y a eu une sorte d'espèce de rébellion à l'intérieur de la municipalité de Cozumel, ça c'était à la fin des années 80, et ça a accouché quelques années plus tard de la création d'une nouvelle municipalité, donc la municipalité de Solidaridad, dont le chef-lieu est la ville de Playa del Carmen. C'est le coup d'envoi d'une sorte de boom touristique. Si on regarde les 5 premières années qui ont suivi la création de la municipalité, le nombre de chambres d'hôtels, l'offre hôtelière a été multipliée par 10 dans la rivière Amaya. Tulum appartenait à cette époque à la municipalité de Playa del Carmen, justement, de Solidaridad, jusqu'au jour où, en 2008, Tulum a à son tour fait sécession pour se constituer en municipalité. La création de municipalités, c'est vraiment un levier essentiel pour pouvoir acquérir une autonomie politique, financière, qui permet de développer le tourisme, quoi. Après la crise des subprimes en 2008, certains groupes hôteliers espagnols, comme le groupe Iberostar, Melia, Riu, ont vu le cours de leurs actions décoté par les agences de notation de manière très très forte et qui ont investi dans les années suivantes en fait, énormément donc, au Mexique, mais pas seulement, en République dominicaine et ailleurs dans la Caraïbe. Et au même moment, eh bien, ils étaient en train de se défaire de leurs actifs moins rentables en Espagne. Donc c'était aussi une stratégie d'adaptation à la crise, en fait, pour se rapprocher à la fois du marché états-unien, canadien, dans une région aussi où le coût de la terre était beaucoup moins élevé qu'en Europe, le coût de la main-d'œuvre également, donc il y avait des taux de rentabilité qui étaient beaucoup plus intéressants pour eux. Los resorts, todo incluido, funcionan como maquilas. Se nutren de trabajo indígena en Yucatán y mucho más allá. Clara división del trabajo y clara división racial. Distribuyen a los trabajadores en función de su color de piel, de su etnicidad percibida, para que ocupen lugares de cara al turista o escondidos del turista, ¿no? Depende del nivel de lujo que tenga el hotel. La ciudad de Mérida es bastante antigua, tiene ya más de 500 años de haberse fundado. Antes de Cancún había turismo en la península, en Mérida, sobre todo por las zonas arqueológicas, teniendo a Mérida como centro. Dans les années 70-80, c'est déjà une vraie ville, c'est une ville très urbanisée. A partir de los años 80, la ciudad de Mérida empieza a abrirse a este proceso de globalización. No solamente llegan capitales, sino también llegan personas. Se quiso hacer una ciudad mucho más atractiva, donde el turista no pasara una noche, sino varias noches, y que se volviera incluso como la ciudad base para ir a diferentes lugares que están cerca de la ciudad. Le centre de Mérida est un centre très visité, donc il y a eu toute une logique aussi de développement d'hôtels, développement d'Airbnb et de choses comme ça. En 19 manzanas del centro histórico que están dentro del barrio de Santiago, encontré que había más de 60 ofertas de Airbnb. Como por el 2005-2007 empieza un nuevo proceso en el centro histórico como una suerte de rescate impulsado siempre por el gobierno estatal que proporciona mano de obra. Y los propietarios de las casas ponen el material para que las fachadas sean remodeladas.
Entonces esto le da una nueva visibilidad a la ciudad, mucho más bonita, incluso aburguesada, ¿no? Los servicios que se ofrecen en el entorno donde ellos viven, pues también van cambiando y se van modificando, ¿no? Una serie de nuevos restaurantes, hoteles boutique y tiendas de artesanía de autor. Y el día de hoy tú vas a la ciudad y te encuentras nodos donde hay más de, no sé, 12 galerías juntas. Esto va empujando los precios hacia arriba y se está extendiendo hacia otros barrios dentro de la ciudad, porque la ciudad se vuelve atractiva, además de todo lo que ya ofrecía, como ser una ciudad segura, como ser pues mejor clima, la ventaja de los precios. No se puede entender la gentrificación si no lo relacionamos con el concepto turismo y con la dinámica turística y con la turistificación. Avant les années 2000, l'étalement urbain de Mérida a été contenu à l'intérieur de l'anneau périphérique. Mais le départ progressif des classes populaires en périphérie, ainsi que l'installation de nouvelles populations, toutes classes sociales confondues, a intensifié l'urbanisation bien au-delà de ses limites. On va voir la partie ouest de Mérida, qui va être quand même très liée, voilà, à la zone de Cosel, toute une zone de concentration de travailleuses, de travailleurs, et qui est liée à une présence d'activités industrielles dans cette zone-là. Sur la partie nord de Mérida, donc voilà, qui est encore le municipio de Mérida et le municipio de Progreso, là, ça va être en fait de l'urbanisation de terres collectives par ce processus de privatisation qui s'appelle dominio pleno. La terre est privatisée et sort de la zone égidale. On va être surtout sur des projets immobiliers de luxe et où on retrouve aussi un ensemble d'acteurs politiques, industriels, mexicains et internationaux. Donc avec beaucoup plus de poids pour faire pression justement sur les autorités agraires pour avoir ces changements de statut. Toute la zone plutôt est de Mérida, où là, ça va être quelque chose un peu combiné entre pareil, de la privatisation de terres de dominio pleno. Mais là, on va trouver toute une stratégie qui est utilisée de passer de terres d'usage commun à des terres de zones humaines ou de zones urbanisées sur des dimensions qui ne correspondent pas du tout à la croissance des villages ou des petites villes de cette zone-là. Et après, le gros projet, et c'est peut-être là où en fait le lien touristique immobilier prend son sens à Mérida et qui est lié à une infrastructure de transport de nouveau, c'est le projet du train Maya, donc qui serait censé passer au sud de la ville de Mérida. Et de ce que les gens en disent en ce moment, qu'il y a tout un processus de spéculation immobilière qui est en train de se mettre en place. En 2020, la métropole de Mérida comptait plus d'1 300 000 habitants, ce qui se traduit par une croissance périurbaine, impulsée par des populations qui recherchent un cadre de vie saisonnier ou pérenne, entre nature et proximité de la capitale et de ses services. El estado de Yucatán introdujo la tradición del veraneo al estilo europeo, es decir, irse 2 meses a vivir a la playa, tanto para mexicanos como para extranjeros. Que yo lo llamo migraciones de estilo de vida, porque no necesariamente todos tienen segunda residencia. Hay muchos que venden sus casas y viven tiempo completo acá. A Mérida, le boom touristique n'est pas à l'origine du boom immobilier. Cependant, les diverses pratiques touristiques et d'installation sont difficiles à délier, laissant plutôt penser qu'elles s'alimentent l'une et l'autre, tout en étant à la fois le résultat et le moyen de l'attractivité métropolitaine. En fait, dans tous les cas, il y a une privatisation de la terre, il y a une augmentation du foncier, il y a une division sociale, non, des gens au niveau local qui sont en faveur ou contre ces projets-là. Y el acaparamiento tiene que ver con no solo que son grandes superficies que son controladas por pocas personas, empresarios, funcionarios agrarios, notarios e incluso ejidatarios que forman parte de una red para poder lograr el acceso a las tierras. Y bueno, parte importante de esta investigación tenía que ver con un conjunto de mecanismos fraudulentos de simulación legal que permitieron a muchos empresarios llegar a los ejidos. Algunos ejidatarios que tienen información y que les pagan un poco más por las tierras porque ellos ayudan a facilitar esta venta. Cuando la mayoría de los ejidatarios, y más importante, la mayoría de las personas que viven en los ejidos, ni se enteran de los proyectos, ni se benefician de los proyectos, pero sí son afectados por estos proyectos.
Para la década del 2000 empieza la incorporación de los atractivos del interior. Crece el turismo en otras ciudades, Mérida, Valladolid, Campeche, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero también en torno a los pueblos mágicos, en torno a las ciudades medias, en fin. Y este proceso se está acelerando mucho con la propia pandemia. El programa Pueblos Mágicos es un programa federal de la Secretaría de Turismo. Inició en el año 2001. Se han reconocido con la marca Pueblos Mágicos 132 localidades en todo el país. Ha sido una respuesta para intervenir en las localidades en las que la crisis del campo ha generado unos procesos de descampenización, y entonces se presenta como una herramienta de desarrollo sustentable en aquellas localidades que han permanecido marginadas al desarrollo. Es un programa que ha tenido la capacidad de insertarse en las tendencias globales del turismo cultural y del turismo de experiencia. Valladolid es pueblo mágico desde el 30 de agosto del año 2012, porque cumple con varios factores, como lo es la conservación de sus costumbres, sus tradiciones, su gastronomía, la arquitectura colonial. El patrimonio cultural está en el corazón del programa Pueblos Mágicos. El primer aspecto de gran relevancia con el nombramiento ha sido el rescate del centro histórico. Tenemos un centro histórico muy bonito donde el cableado es subterráneo, por ejemplo. El cenote está aquí. Afortunadamente nos queda muy cerquita del cuadro del centro histórico y ha ido de la mano igual para su conservación. Es auténtico, es único, entonces tiene estas características completamente excepcionales que no las tiene otra localidad. Los fenómenos de gentrificación se han percibido con más fuerza en las ciudades patrimoniales, pero en los pueblos mágicos también se está dando una tendencia a través del turismo residencial. Tenemos mucha gente europea, un ejemplo lo podemos ver en la Calzada de los Frailes. Hay mucho italiano, yo creo, francés, que están pudiendo adquirir las casas coloniales y poner sus negocios, aunque los americanos igual están llegando a instalarse en el Pueblo Mágico. Se vuelven una zona atractiva donde puedes tener la posibilidad de estar cercano a la ciudad, pero vivir en la tranquilidad y en la magia del Pueblo Mágico. El programa va dirigido inicialmente a hacer un cambio en la morfología urbana. Entonces, en la selección del polígono que es el detonante turístico, que es el de mayor atractivo, se busca hacer una renovación, homogeneizar las fachadas para crear un paisaje armónico. Se vuelven unos lugares atractivos para que llegue diverso tipo de inversión. Puede ser simplemente la inversión del turismo o del turismo residencial o desarrollo inmobiliario, etc. L'embellissement des lieux est généralement accompagné de politiques urbaines visant le contrôle de certains espaces afin de garantir leur nouvelle fonction. Certains groupes sociaux, notamment les plus précaires comme les vendeurs ambulants, peuvent ainsi se voir restreindre l'accès au centre-ville. Par ailleurs, si la labellisation de village est inspirée d'ailleurs, des particularités culturelles locales ou régionales peuvent être utilisées pour le marketing territorial, comme c'est le cas de l'ethnicité maya. La narrativa de la turistificación, mayanización, impulsada desde el Estado mexicano a partir de 1970 con la noción del mundo maya y consolidada a partir de la década de los 80 con la organización Mundo Maya, que es una organización internacional. En 2020, l'État de Yucatán a oficialisé son propre programme de labellisation, celui des hameaux maya. ¿Qué significa ser una aldea? Pues las brillantes ideas que llegan allá es ser ahora aldeas mayas. Con la idea entonces de decir,
es que es un pueblo maya y estos son los mayas. Así es como viven, ¿no? Vendiendo la pobreza y la miseria que ellos mismos generan para estos pueblos. El etnónimo maya se ha convertido en una marca comercial para toda una región. También cada vez más población de las zonas rurales de la península está utilizando este etnónimo para generar empresas de economía social o empresas convencionales. On a bien un changement de paradigme finalement où l'arrière-pays devient une attraction touristique basée finalement sur le maya et sur la forêt maya exubérante. Los pueblos son mayas. Los cenotes son mayas. Los hoteles son mayas. También el tren que viene es maya. Pero no mayas en el sentido de identidad, sino mayas en ese sentido comercial que le quieren dar. Este fenómeno yo no creo que es exclusivo de la península de Yucatán o de la cultura maya. O sea, en esta fase del capitalismo global, la etnicidad es un recurso. Observamos, por ejemplo, en las fotografías de los folletos, de las promocionales turísticos, cómo las mismas personas se convierten en esos atractivos, ¿no? Fotografiadas con sus vestimentas y actividades tradicionales. Pueden haber muchos tipos de despojo, pero también nos estamos empezando a referir a un despojo de lo cotidiano, de lo ordinario, de las condiciones de vida. Turismo no es en sí mismo el desplazamiento de personas y ya. ¿Qué implica establecer una infraestructura en los espacios de acogida a donde llegan los turistas? Entonces se observa ahí que el turismo puede provocar efectos muy negativos en términos culturales y medioambientales. C'est assez commun d'observer des opérateurs touristiques qui finalement, par la construction même de cette offre, sont plutôt liés à des pratiques extractives. También en Yucatán, en los últimos años, gran parte de los despojos se están dando principalmente a lugares donde hay cenotes. Les cénotes sont des puits naturels formés dans les sols karstiques qui permettent à l'eau souterraine de circuler et de s'accumuler. Dans la cosmogonie maya, ils représentent des portes d'entrée avec l'inframonde et sont considérés comme des lieux sacrés. Typiques de la péninsule du Yucatán, les cénotes sont très prisés du secteur touristique. Tsukan, qui a été mise en tourisme très récemment et qui aujourd'hui attire des opérateurs touristiques comme le groupe Experiencia Xicalet. Ese cuerpo de agua, entonces lo transformamos, se le pone maquinaria, dinamita, para dejarlo como un cuerpo de agua adecuado para un tipo de turismo. Il existe l'expropriation des terres par l'État et leur concession ultérieure à une société privée. C'est le cas de Tsinup. Deux cénotes étaient mises en valeur depuis les années 1970. On a observé des conflits intracommunautaires qui étaient liés dans un premier temps à un contexte politique et puis avec l'arrivée justement des touristes et des retombées économiques, les conflits intracommunautaires se sont exacerbés et un décret gouvernemental de l'État du Yucatán a finalement exproprié les parcelles où étaient situées ces deux cénotes. Puis ces infrastructures et équipements ont été loués
un entrepreneur de Cancun qui acheminait justement au quotidien des touristes. Et dans un troisième temps, cette infrastructure touristique est de nouveau aux mains de l'État, avec un accord avec la municipalité de Valladolid pour opérer finalement un parc thématique d'ordre public ou pseudo-public. Une conception critique de l'urbanisation doit intégrer la privatisation des terres, mais aussi la création d'espaces fonctionnels dédiés aux loisirs des populations urbaines, comme c'est le cas des aires naturelles protégées. El otro impacto ambiental que creo que es el más fuerte es el cercamiento verde, la creación de áreas naturales protegidas. Elles sont au nombre de plus de 60, 26 d'entre elles sont de statut fédéral, 19 sont liées aux États de Campeche, de Quintana Roo et du Yucatán. Et on observe aussi des aires naturelles municipales, des aires naturelles héridales, c'est-à-dire qui ont un lien avec la propriété sociale. Ce sont des aires en où la population a vécu pour cientos ou miles de années. Celestún, que es un centro ecoturístico ya muy consolidado, ¿no? Desde los años 80. En el imaginario turístico global de Celestún no cabe la pesca, no cabe el trabajo que sustenta al 90% de la población. En realidad es un puerto pesquero, es el segundo puerto pesquero más grande de toda la región. Es un imaginario conectado a ideas muy elitistas de lo que es la naturaleza y lo que es la conservación, que es fundamentalmente la reducción a una especie animal, el flamenco rosa, concentrada en las áreas geográficas donde el flamenco rosa habita, se reproduce y se alimenta. En un área natural protegida, a nivel de discurso y a nivel de protección, no hay población humana. Entonces, no puede recibir el gobierno municipal apoyos ni fondos para desarrollar infraestructura urbana. Y lo que queda justo detrás de la duna costera eran terrenos ejidales de la población nativa de Celestún. Esos son los que están ahora mismo en un terreno de especulación brutal. Son megaproyectos de gente de Cancún que ve que ya Cancún no es viable y están invirtiendo en Celestún, como el paraíso rosa le llaman. En la costa, muchos de los desarrollos de segunda residencia se están haciendo sobre área natural protegida. Entonces, indudablemente es un cercamiento que impide el aprovechamiento económico del sector primario, digamos, pero que no impide su ocupación para el disfrute de ciertos sectores. El caso más claro lo tenemos en Cizal en estos momentos. Este pueblo de pescadores, que nombraron hace 2 años Pueblo Mágico, pues empiezan con toda esta presión del turismo que empieza a llegar y entonces la lucha empieza a ser ahorita con que ellos quieren ser municipio. Ok, queremos ser municipio para manejar nuestro propio presupuesto. Desde hace alrededor de 10, 15 años, una política de construcción de viviendas que ahora se extiende a los dos lados del pueblo. Las costas son espacios de mucha fragilidad y las viviendas vienen a romper esta fragilidad que se tiene y entonces causan muchos más daños, por ejemplo, erosión de playa. La notion de tourisme alternatif, elle est apparue au début des années 2000 comme un terme regroupant différents types de tourisme, le tourisme d'aventure, le tourisme rural et l'écotourisme.
d'un point de vue marketing, comme une manière de positionner un marché touristique différent. En un momento en que se da el paso del fordismo, justamente, a este turismo postmoderno de experiencias personalizado. Il y a eu un gros boom du financement public entre 2006 et 2010. Las organizaciones no gubernamentales son los principales promotores del turismo en las comunidades rurales, bajo discursos de conservación y de la mejora de las condiciones de vida de la población rural. Pour moi, il y a une confusion terminologique sur le tourisme alternatif entre le type de tourisme et les formes de gestion qui peuvent être utilisées pour gérer l'activité touristique. Con datos de un censo que levantamos en 2013, encontramos 153 empresas del sector social de la economía en operación y al mismo tiempo 103 empresas privadas. Effectivement, il y a une réflexion à avoir sur ce qu'on entend par alternatif. Qu'est-ce qui est alternatif dans le tourisme alternatif? Je crois que ça, c'est une vraie question. Pour moi, il y a trois points qui sont essentiels. Le premier, c'est la propriété sociale des moyens de production. L'espace dans lequel se situe l'activité touristique doit être collectif. Le deuxième point, ça va être la relation avec l'environnement qui promeut des pratiques environnementales comme la conservation, comme l'éducation environnementale. Et finalement, le troisième point, c'est la gestion collective. Donc ça peut être à travers des structures collectives traditionnelles. Donc au Mexique, ce sont les ejidos ou les communautés agraires. Ça peut être des structures collectives qui sont créées, comme les coopératives. El cooperativismo llega inserto en las disposiciones para acceder a los financiamientos para los proyectos de turismo alternativo. Les communautés paysannes ou indigènes conservent encore des mécanismes d'organisation et de solidarité collective, comme la délégation et la rotation des tâches, ou encore le travail commun, appelé tequio ou faena, des pratiques qui sont reproduites dans ces coopératives touristiques. De la même manière, les membres des coopératives étant généralement insérés dans le tissu social communautaire, l'activité touristique est pensée en adéquation avec son contexte local. C'est le cas d'Ekbalam et de la coopérative Ducuchil-Couchetal. Là-bas, 13 des 26 héritatarios ont construit une douzaine de cabanes avec l'appui de subventions du gouvernement fédéral. Empezamos a participar en los proyectos desde hace más de 15 años para poder ofrecer un servicio al turismo por la gran cercanía de la gran acrópolis que es la zona arqueológica de Ekbalam. Et puis récemment, ils ont commencé à développer une offre touristique finalement basée sur le quotidien de leur village. Tenemos el tour que es de la milpa tradicional maya, en donde pues invitamos a los visitantes que ellos puedan sembrar el maíz, puedan cosechar el maíz según la temporada que ellos lleguen. Las comunidades ven en el turismo una oportunidad para mejorar las condiciones de vida y la economía de las localidades. Sí es una fuente de ingresos para la mayoría de estas empresas campesinas, pero en un esquema de pluractividad campesina. O sea, es un ingreso complementario. Las cooperativas han sabido aterrizar muy específicamente las medidas de conservación, ¿no? y aterrizarlas mucho a las problemáticas locales. C'est le cas de la coopérative Sasculonra, qui est située à Yoxonote. Ce cénoté, avant sa mise en tourisme en 2005, c'était une forme de déchetterie locale. Et aujourd'hui, finalement, c'est un lieu qui, avant le Covid, a attiré jusqu'à 40 000 touristes par an. Et donc, du coup, on voit comment, à travers l'activité touristique, il existe aussi une valorisation environnementale. Muyil, en Quintana Roo, en la laguna de Siancán. Ahí surgen dos empresas que se dedican a hacer tours en esta laguna y que han tenido mucho éxito en la captación de turistas. Van a Tulum en una van, los recogen en un punto y ya los llevan hacia el interior, hacia otras cooperativas que están en otras comunidades.
Une solidarité s'est tissée entre diverses coopératives qui se sont constituées en réseau, comme Cochmayab dans l'état du Yucatan, ou encore l'Alliance péninsulaire pour le tourisme communautaire pour toute la région. Ces initiatives permettent de mutualiser des moyens et de regrouper les différentes offres dans des paquets touristiques, et ainsi de capter plus facilement une partie des flux de touristes. Cependant, à s'insérer sur le marché touristique, ces coopératives sont parfois subordonnées à de plus grandes entreprises, notamment les tours opérateurs, via des mécanismes de sous-traitance ou de cession de droits. Las cooperativas en su operación pues están subordinadas a las dinámicas que el turismo de masas viene a implementar, ¿no? Este turismo alternativo no es comunitario, comunitario en el sentido de que es la comunidad la que lo está asumiendo. Es un primer paso a la desposesión. O sea, es un pequeño grupo que llega a un acuerdo con el ejido, que paga una cantidad para poder usufructuar un pedazo de tierra y que se convierte en un sector privilegiado al interior del pueblo. L'existence de ces coopératives n'est pas non plus un frein à la vente de terres et à l'urbanisation. La mise en valeur touristique a fait connaître ces villages et attire désormais des personnes venues des villes qui cherchent des terres pour s'installer et parfois pour y développer leurs propres hébergements touristiques qu'ils commercialisent via des plateformes comme Airbnb. Des initiatives qui peuvent entrer en concurrence avec les coopératives. Una vez que las comunidades han vendido partes de su territorio, es muy difícil controlar qué tipo, por ejemplo, de urbanización se puede tener. Este foco tan importante de Cancún y la Riviera Maya irradia relaciones al interior de la península. Entonces, la presencia masificada de turistas en esta zona, pues de alguna manera filtra o hace que estos turistas, digamos, penetren hacia diferentes localidades al interior de la península de Yucatán. Es evidente, la proximidad de Cancún ha jugado, hein, puisque ya ha beneficiado de la proximidad de un aeropuerto y de una gran ciudad turística. Las nuevas vialidades están generando el asentamiento de nuevas empresas. Esto es muy visible en el Transpaís, donde además justamente se han construido carreteras nuevas para unir estos centros. La dependencia a la ville de ces formes de tourisme rural, elle peut s'établir sur différents points. D'abord au niveau du marché touristique, des politiques publiques, ensuite au niveau de l'infrastructure. Todo el turismo que baja de Chichen Itza viene, bajan un rato en el centro histórico y siguen su camino hacia los grandes resorts de la Riviera Maya. Y realmente no es el turismo que a lo mejor quisiéramos, pero buscamos que sea el de pernocta. Por metropolización podríamos entender la expansión, el crecimiento urbano, pero una metrópolis no se explica en sus procesos a partir de un espacio limitado localmente, ¿no?, sino a partir de múltiples relaciones interescalares, ¿no? Entenderla como la expansión del tejido urbano te permite entender las distintas conexiones y vínculos que tiene con distintos otros espacios de la periferia urbana o incluso con espacios rurales que le dan forma y contenido a las relaciones sociales de producción que se están generando en las grandes metrópolis, ¿no? On a une pression foncière qui est devenue très très forte. C'est pas seulement lié à la spéculation immobilière uniquement, c'est aussi une augmentation démographique très très importante, hein. Il faut évoquer la migration d'une main-d'œuvre d'origine maya en provenance des villages de l'arrière-pays maya vers les villes et stations touristiques, mais aussi la création de cités dortoirs de travailleurs du tourisme en arrière, finalement, du couloir touristique. Que ce soit pour la captation des touristes ou de l'organisation des activités productives en général, Mérida et Cancún polarisent l'espace péninsulaire. Ces villes devenues globales sont les outils de la diffusion touristique et guident l'expansion urbaine. Ce qui permet d'acter que dans ce cas de figure, le tourisme est le moteur principal de la métropolisation.
cómo la ciudad ha invadido los espacios del campo, generando en el proceso unos espacios urbanos completamente nuevos, que no son ni urbanos enteramente ni rurales enteramente. Ese es como el caso de Tequit. La fabricación de prendas de vestir, sobre todo guayaberas, inició en Tequit en los años 80, prácticamente con la llegada de la energía eléctrica. El año 2000 empecé la fábrica A y B entre tres, mi hijo, mi hija y yo. La producción se organiza en torno a la familia. Entonces, son las propias viviendas que se transforman en centros de trabajo. Para que tenga trabajo mi familia, así como te digo, tengo que meterme hasta a maquilar, a buscar trabajo así con otros empresarios más grandes para que me den tela y yo les entrego la guayabera. Pero es muy poco la ganancia. La venta aquí en el pueblo de esta misma prenda ronda los 350 pesos. Pero ya fuera del pueblo, esta prenda puede rondar entre los 600 y 1,500 pesos. Así es, nosotros dependemos del turismo. Ellos venden en Mérida y ponen su etiqueta, lo que donde dice hecho en Yucatán. Y nosotros pensamos de que ¿por qué no vamos a poner hecho en Tequit, Yucatán? Vamos viendo cómo el número de tiendas va en aumento, apostando ya no solamente a esta venta tradicional que se tenía, sino que además lleguen los compradores directamente aquí. Vamos a promover Tequit, de que en Tequit se hace la mejor guayabera. Algunos beneficios que ve el trabajador en este modo de producción es que no tiene que salir de su casa para trabajar. Pero del otro lado, se vuelve de alguna manera en un trabajador independiente y eso conduce en buena medida a una precarización, porque no cuenta con seguridad social. Están las enfermedades laborales, que están vinculadas principalmente en la vista. La pérdida de visión, ese es uno de los graves problemas. Y el que no tiene empleo de manera directa en la fabricación de las prendas, tiene empleo indirecto, por ejemplo, en la venta de comidas, en los mototaxis, que son las formas de movilidad aquí en el pueblo. Entonces, la propia industria ha dinamizado el crecimiento de la población porque hay muy poca migración. Beaucoup de localités non touristiques sont ainsi attrapées par la dynamique de métropolisation. Et cela risque de s'accélérer avec la construction d'un nouveau mégaprojet de transport dont l'objectif principal est la redistribution des flux touristiques. Depuis 2018, ce qu'on appelle aujourd'hui la quatrième transformation depuis l'arrivée au pouvoir d'Andrés Manuel López Obrador, le tourisme est à nouveau au cœur de la vie politique avec un gros projet porté par l'État, par la puissance publique, de train, ce qu'on appelle le train Maya. Ce réseau ferroviaire qui est prévu pour un train touristique, un train qui serait plus destiné au transport de la population locale et un train de marchandises qui est de manière officielle prévu comme quelque chose qui permettra le développement de la péninsule. À certains endroits où il y aura des gares, de nouvelles villes, voilà, un pôle de développement où il y aurait des projets immobiliers, des projets touristiques pour recevoir les touristes. Et à partir de ce qui va se passer aussi avec cette inversion du train Maya, quizás de esos municipios van a solicitar algún recurso, algún apoyo para alguna infraestructura, en transporte, en equipamientos diversos, para beneficiar el turismo, ¿no? Et en fait, tout le processus de spéculation et de privatisation de terres, dans tous les cas, sera incontrôlable dans toutes les zones proches de ces pôles de développement. Se está en la negociación por la obtención de los terrenos donde estarían estas estaciones. No está dada la última palabra en todos los casos y ha generado procesos de resistencia. L'eau, principalement, c'est peut-être la plus grosse préoccupation, surtout dans la zone de Xpuril et Calakmul, qui est une zone qui connaît des sécheresses très importantes depuis plusieurs années.
C'est un endroit où des villes se développent, des hôtels se développent, avec ce qui a été dit sur la consommation d'eau que peuvent avoir les zones hôtelières de Quintana Roo. S'il faut choisir entre de l'eau pour les hôtels et la population locale, on sait très bien comment ça risque de terminer. Pour imaginer l'impact environnemental de la métropolisation, il faut ajouter à l'étalement urbain les besoins croissants en énergie. De nombreux parcs solaires et éoliens sont en projet dans la péninsule. Yo creo que no tiene nada de compatibilidad el proceso de metropolización con el desarrollo sustentable. Toda esta infraestructura en transporte, todo este tipo de construcciones, en nada está contribuyendo al medio ambiente. Queda más en un discurso político que lo que efectivamente se está viendo en la transformación del espacio urbano, ¿no? Turismo engrapa, no solamente de una manera material, es también a nivel de imaginarios. Cancún se ha quedado atrapado en esa lógica del imaginario de la playa paradisíaca. Eso significa esconder las mareas de sargazo, esconder que la playa está desapareciendo. Es una manera de atrapar la región, atrapar los recursos naturales, atrapar las prácticas culturales indígenas, todo lo que tiene que ver con lo maya. Para mí estos procesos se parecen mucho también a los procesos de extractivismo, estas discusiones que se dan hoy en día para la minería, en donde queda claro que la extracción de un bien natural genera ganancia, pero no para las personas que viven en el lugar, ¿no? Y todo eso está inserto, sin duda, en esos procesos de despojo de identidad y de territorio. Teorizo como un movimiento simultáneo de extraer pero proveer. Cuando trabajas con gente allí en Yucatán que trabaja para el turismo, ellos siempre dicen, bueno, el turismo es bueno. Nosotros queremos turismo. El turismo es bueno porque el turismo provee. El turismo provee educación, provee trabajos. Podemos discutir qué tipo de trabajos, pero provee desarrollo económico y ha generado en Yucatán la creación de unas nuevas clases medias. Sobre la situación de la venta de tierras, me he encontrado gente ejidataria que está a favor de vender las tierras porque ya no las trabajan. No quiere continuar las labores agrícolas. La migración es cada vez más frecuente a las urbes, ya sea Mérida, Cancún, incluso a Estados Unidos. Ce n'est pas par manque d'analyse que les communautés rurales semblent moins s'inquiéter de la vente des terres que les chercheurs ou militants urbains. Les populations rurales cherchent tout simplement à améliorer leurs conditions de vie, ce qui passe ici par l'abandon progressif des activités agricoles au profit du tourisme. Ce qui doit être questionné en revanche, c'est comment elles sont structurellement contraintes à ces choix. Et pour cela, il faut acter que dans l'économie actuelle, le tourisme est un des modes privilégiés de création de valeurs marchandes, notamment via la production d'espace. Le lieu touristique, pour se positionner dans cette économie touristique qui est très concurrentielle, il faut qu'il se différencie. Donc il y a l'idée aussi de différenciation des lieux, de mise en avant des spécificités, d'ailleurs qu'elles soient réelles ou qu'elles soient imaginées, fantasmées, voire totalement reconstruites par le marketing. En esta idea de revalorizar, de recuperar ciertas características materiales, naturales o culturales de una población, se busca otorgarles valor que finalmente se va a insertar en una dinámica de mercado. El espacio, avec le tourisme, avec l'urbanisation touristique, va adquirir une valeur d'échange. C'est à la fois l'échange, les transactions foncières immobilières, mais c'est aussi l'échange, le touriste qui est une sorte de consommateur qui se déplace, qui change de lieu et qui va consommer un lieu autre que son lieu de vie. Et cette valeur d'échange, elle est liée par définition à l'idée de rareté. C'est un lieu qui est particulier, qui est spécifique, le lieu touristique, sinon ça ne vaudrait pas le déplacement. Esta apropiación del territorio, esta penetración, turistificación del territorio,
es una respuesta a las necesidades de reproducción del capital en este esquema de acumulación por desposesión. Esta expansión de capital se ve como en términos siempre de urbanización. O sea, no hay muchas alternativas fuera de esta lógica que tenga que ver con construir y poner pavimento en los pueblos, ¿no? Si piénsalo para el caso de Cancún, Huatulco, Puerto Vallarta, Los Cabos, en fin, estas zonas de inversión para el arribo de turistas rodeadas siempre de un cinturón de pobreza. Entonces, creo que sí es momento de hacer una revisión seria, de hacer una revisión profunda a la manera en cómo se vienen desarrollando estos espacios, porque no quiere decir que un medio ambiente hermoso necesariamente debe ser el escenario explotado por el turismo. Les gens veulent voyager durable, voyager responsable, etc. Mais ça, je dirais que c'est une lecture qui me semble un peu superficielle. Cette façon de concevoir le tourisme ne doit pas nous faire oublier qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants de régulation de l'activité touristique qui passent par des choses beaucoup plus classiques, beaucoup moins sexy, beaucoup moins glamour et beaucoup moins vendeuses que le tourisme durable ou responsable. Je pense que les enjeux aujourd'hui sont plus autour de la régulation sociale, politique de l'activité touristique plutôt que de l'innovation dans des formes de tourisme qui ont l'apparence, qui ont le goût, l'odeur de l'alternatif, mais qui sont parfois, voilà, c'est juste du greenwashing. No, yo creo que también hay que tener mucho cuidado en qué medida el turismo debe de tener límites en su ocupación del espacio. Face à cette urbanisation systématique qui induit la dépossession, le tourisme réellement alternatif ouvre des pistes intéressantes en questionnant la gouvernance néolibérale. Néanmoins, les expériences restent localement limitées et ne peuvent à elles seules contrer les dynamiques de l'industrie touristique. Face à ce constat, se prononcer pour ou contre le tourisme n'a pas beaucoup d'intérêt, puisqu'il s'agit de ce que chacun fait de son temps libre. En revanche, il faut acter qu'une couche privilégiée de la population mondiale a remis l'organisation de son temps libre à l'industrie touristique. Un secteur bien plus guidé par ses intérêts que son impact sur l'ensemble du vivant. Et pendant que nous y réfléchissons, la fête continue.